Ok, on a notre pain, c'est bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire les sandwichs et puis à partir pour Procéliande. Donc, il y en a pour à peu près 35 minutes, on espère, parce que c'est le 1er mai, donc c'est férié, donc il y aura peut-être un peu plus de monde sur la route. Voilà. Donc, à tout de suite. Ça y est, alors on est arrivé à la forêt de Pimpon, à Pimpon, parce que pas à la forêt. Et du coup, il y a un parking visiteur, c'est pas loin de la Porte des Secrets, donc ce qui est conseillé pour commencer. Et puis après, on va aller faire un tour à l'office du tourisme, comme toujours quand on commence une visite. Et on va aller visiter après. C'est parti! Du coup, on commence par le tour de l'étang de Pimpon. Passez par l'office du tourisme, ils vont vous indiquer tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez choisir comme ça par où vous voulez passer. Nous, on choisit aujourd'hui d'aller faire le tour nord, donc aller voir, je crois que c'est le tombeau de Merlin, et le tour de l'étang du coup à Pimpon, parce que dimanche, donc dans quelques jours, on va y retourner, ça sera la partie 2, et on va aller faire les visites. C'est parti! Petit passage bien chiant. Donc il y a des troncs d'arbres en plein milieu et puis il y a ce qu'on appelle des pas japonais, donc c'est des poutres sur lesquelles on marche. Et comment dire que notre chien ne sait pas marcher sur des poutres, ce n'est pas un équilibriste. Du coup, c'était pas la peine. Donc on le fait passer en dessous, on le fait passer au-dessus. Et sinon, si vous regardez, il est dégueulasse. Regarde. Il est tout dégueu. Donc si vous avez des difficultés à marcher, je vous conseille peut-être pas ce parcours là. Après il y en a un autre plus petit qui fait 2 km et qui est peut-être plus recommandé dans ces cas là. Il y a des tables de pique-nique à la fin du chemin ou au début si vous partez dans le sens contraire de nous, et vous pouvez vous installer là-bas pour manger. Donc pratique, c'est ce qu'on va faire. Et puis il y a même des toilettes où ou des lavabos pour pouvoir se laver les mains, parce que du coup si vous prenez un gros chien, moyen chien comme nous, il n'est pas assez gros pour pouvoir passer dans la boue, et il n'est pas assez petit pour pouvoir être porté tout le temps. Du coup Bibi elle l'a porté, et Bibi elle est trempée. Et voilà, on est de retour à la voiture et c'est parti. Maintenant on a déjeuné. Et puis on va aller et on recommence. Donc, donc on est retourné à la voiture. Je vais jamais y arriver. Hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, à la Dame du Lac qui est... non, à la fontaine de Jouvence et au tombeau. C'est ça. Donc j'étais en train de dire, je vais pas y arriver. Il y a la moto. Du coup, on a enfin fait le tour du lac. Ça nous a pris un peu plus de temps parce que du coup, Volt, il fallait le porter, et puis les marches japonaises c'était pas facile, puis après fallait le rincer, donc on a mangé, ça y est, il commençait à faire faim, et là on va reprendre la voiture et on va aller au tombeau de Merlin et à la fontaine de Jouvence, donc c'est parti. Et du coup au niveau du parking il y a des toilettes, bon il n'y a pas de PQ donc ramenez-en, mais il y a des toilettes, profitez, les grosses reloues là. Les filles qui ont besoin de faire pipi, oh là là. Donc on s'est arrêté pour aller voir le chêne Indré. Pour ça, il faut prendre la route qui remonte de Pimpon pour aller vers... c'est comment ça s'appelait? Saint-Malo-sur-Mel ou un truc comme ça? Non, c'était sur quelque chose. Donc on a pris le chemin et là, en fait, vous voyez, on est vraiment sur la départementale. Hein, faut pas louper, donc mettez dans le GPS. Vous allez vous garer sur le petit truc ici.
Et puis après, hop, on continue sur la route. Il y en a pour à peu près 800 mètres normalement pour aller voir le Châle des Indrés, qui est qui a 500 ans. Donc c'est pas mal quoi. C'est majestueux en fait, c'est super bien. Il donne des petites explications aussi de pourquoi, de comment, de la forêt. Donc c'est top. Et puis du coup, maintenant c'est reparti. On va au tambour de Merlin. On s'est garé là-bas. Attention, il y a des mondes. Et du coup, on a vu sur le panneau, normalement, il y en a pour 100 mètres jusqu'au tambour de Merlin et environ 400 mètres jusqu'à la fontaine de Jouvence. Bah, c'était très rapide. Bon bah les amis, j'espère que ça vous a plu, ou du moins que ça vous a plu autant que moi. On dirait que je suis une femme du... Oh là là, c'est quoi ça? Du coup, je ne peux que vous conseiller d'aller à Brocéliande, c'est vraiment très beau. Et si vous avez envie d'un petit peu de nature, un petit peu d'apaisement, bah foncez, c'est trop beau. Et normalement, dimanche, c'est la partie 2. Salut! Si vous voulez une pause en pleine nature, franchement, je vous recommande Brocéliande. Parce qu'au final, on a plein de villes en Bretagne. Rennes, Vannes, Lorient, Quimper, Brest, Saint-Brieuc, Dinan, Dinard, Saint-Malo. Et beaucoup de bords de mer. On est très connus pour notre bord de mer. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que même si on a le plus grand littoral de France, au final, la Bretagne, bah, c'est aussi des légendes, une culture. Et la forêt de Brocéliande.